on fait de la ASMR. Quel drôle de mode quand même, la ASMR. Ça renvoie à notre propre vision du monde et de l'autre. C'est quand même particulier. Bon. C'est One Hour Game. One Hour Game. C'est le game. Non, c'est pas EA Sports. C'est pas FIFA. Oh mon dieu, le jour où je ferai un streaming de FIFA. Oh, il faudra m'enfermer. Hein. Derrière les barreaux, direct. Perpète. Je mange pas de ce pain-là. Mon dieu. FIFA, Call of. La même sentence. Elle est irrévocable. Bon, on se retrouve. D'ailleurs, répliquant. Je finis mon yaourt. J'ai mangé tard aujourd'hui. C'est ça qu'on fait du sport. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors, vous allez me dire, bah, attendez. Je retire mon casque. Il y a encore des travaux. Incroyable. Attendez, je suis rentré il y a quoi, Alors j'ai fait du sport toute la matinée, j'ai pris mon temps, je suis rentré assez tard ce midi. Bon, j'ai fait mes petites broutilles, mes babioles, il n'y avait pas un pet de travaux. Hein. Je lance le live, alors là il est 14h30 on va dire, les travaux recommencent. J'espère que ça va pas s'entendre. J'ai pas fait attention dans le dernier live si ça s'entendait. Je ne crois pas. En même temps, je l'ai pas regardé. Donc, non, je l'ai pas vu. Enfin, bref. Normalement, ça devrait pas s'entendre. Bon, qu'est-ce que je disais ? Oh là 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 là, la vieuture, la mémoire. Je m'en souviens plus. Ah oui, c'est bon. Donc oui, Nayer répliquant, voilà. Donc vous allez me dire, bah c'est bizarre, il a terminé l'histoire B, et puis il recommence. Bah oui. Bah oui. On l'a vu à la fin. Quand on réunit toutes les armes, il se passe quelque chose. Un petit peu comme dans les FF. On réunit les armes, les pouvoirs, les ions, les armures légendaires. Bah là, c'est pareil. Voilà. C'est bon. J'ai terminé ma crème aux œufs saveur vanille. Ça faisait longtemps que j'avais pris ça. Bah, c'est très très bon. C'est à la fois léger et nutritif. Petit coup d'eau, une petite caresse à chaton. Bon, oui. Il fait la bouboule. Oh, il a envie d'attaquer. Ouh là 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 là. Oh, bah oui. Et là, il dort. Un chat, ça passe par 36 000 attitudes en 4 secondes. 19 centième. Bah oui. Il fait la bouboule. Il fait le bébé. Voilà. Il fait le nourrisson. Bon. J'ai mon café. Voilà.
Donc on va se faire une petite heure. J'ai pas trop de temps devant moi. Alors, on se retrouve, voilà, dans la montagne des robots. Alors pourquoi, vous allez me dire? Bah, on reprend finalement l'histoire B. On essaie de réunir toutes les armes. Je pensais avoir... Attendez, il y a un problème de conjugaison. Je pensais avoir eu... Ça se dit ? Bon, je pensais que j'avais obtenu voilà, toutes les armes, mais je m'aperçois que non. Alors, il y avait une... comment on appelle ça ? Je me suis souvenu qu'il y avait un petit truc qu'on n'avait pas fait, alors que je n'ai pas capturé, mais peut-être que si je le sens, un de ces quatre, je le ferai. Mais en gros, on avait débloqué dans l'histoire B un bouquin dans lequel on peut rentrer dans l'histoire. Et en fait, c'est un espèce de mode arcade où on affronte des vagues d'ennemis et des boss. Voilà. Donc on est dans la matrice, un grand univers blanc, et il y a des portes, voilà, il y a trois portes, qui correspondent à trois niveaux de difficulté. Et en fait, je ne l'avais pas fait, donc je me suis amusé à le faire, et en fait, je me suis aperçu qu'on obtenait trois armes. Donc j'étais tout content, je me suis dit, ah bah voilà les armes qui me manquaient. Bah ouais, mais non, parce qu'en fait... Je dis beaucoup en fait, hein. C'est pas normal. Et donc, je me suis aperçu que j'étais à 96% de, je crois, d'obtention d'armes, de complétion. Et donc j'en déduis qu'il m'en manque une, voilà. Alors, j'ai fait le tour des marchands. Je vous épargne tout ce que j'ai fait, mais... Enfin, en tout cas, en vidéo, je vous raconte. Ah, attendez, c'est pas là. Attendez. Non, c'est pas là. Attendez, je fais... Ah, mais si. Attends, on vient d'où, là? Parce que je raconte ma vie, mais... On vient de là, hein. Mais d'accord. Ah, c'est à gauche, du coup. Putain, mon sens de l'orientation légendaire. Oui, mais non, je peux pas y aller. Donc, il me faut ça. Voilà. On va y arriver. Paniquez pas. Et boum. Voilà. Et donc, j'en déduisais voilà, qu'il me manquait une arme. Alors, j'ai fait le tour des marchands. Que dalle. J'ai été un peu partout. Hein. Au bout d'un moment, je me suis un peu découragé. Enfin, pas découragé, mais je voyais pas le bout du tunnel. Hein. Et donc, j'ai regardé sur internet. Ouh là 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 là. J'aime pas trop faire ça, mais voilà. Hein, au bout d'un moment, quand tu trouves pas, tu trouves pas. Hein. Et donc. Je me suis aperçu que effectivement il y avait une arme qu'on n'avait pas obtenue et qui s'obtenait par le biais d'une quête. Voilà. Donc alors là pour trouver le bordel, j'aurais pas trouvé tout seul. La quête, en fait on l'a depuis quasiment tout le début. On doit chercher une carte au trésor. Donc c'est le marchand du premier village hein, qui nous charge de cette quête. On trouve la carte dans la bibliothèque, sauf qu'elle n'est pas vraiment déchiffrable. À partir de là, il faut aller à Falaise. C'est quand même corsé. Hein. Donc il faut retourner voir les pyramides Ed là. Et il faut aller voir le marchand de curiosité, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Et il peut nous la déchiffrer, mais moyennant du troc. Et donc il faut trois aubergines. Donc ça, je l'ai. Il faut trois... qu'est-ce qu'il fallait d'autre ? Les aubergines... Trois pots de chèvre, voilà. Ça, bon, on avait ce qu'il fallait. Depuis le temps. Hein.
Mais il faut aussi 3 huiles de. 3 huiles de. De machine. Et j'en ai que 2. Voilà. Je n'en ai que 2. Et donc pour obtenir les fameuses huiles. Est-ce qu'on dit des huiles ou des huiles? Non, ça va être des huiles. il faut farmer les machines. Voilà. Il faut espérer tomber sur une huile. Voilà. Et c'est ce que je fais. Voilà, vous savez tout. Et à partir de là, je pense qu'on pourra débloquer la dernière arme. C'est pas compliqué en soi, hein. C'est juste long. Voilà. Donc, Ah voilà, ce sont ces machines-là qui donnent les huiles. Hein. Les machines volantes. Donc faut croiser les doigts et puis réussir à avoir ça. Voili, voilou. Alors, bon, je peux pas y aller. Mais quand même, Nayor répliquant, il demande une certaine rejouabilité. Hein. C'est quand même dingue. Hein. Entre les différents scénarios et puis les conditions pour débloquer la suite, hein. C'est assez grandiose. Ah oui, bah tiens, je pense au forgeron, là. Parce que du coup, on a fait, là, on recommence l'histoire, hein. Donc on a dû retourner là où je suis, pour pouvoir dire au forgeron, qu'est-ce qu'il nous demande déjà? Ouais, il nous demande en gros un matériau, donc on l'avait déjà, hein. Et donc il doit nous reforger une épée, je sais plus comment elle s'appelle, mais... tout ça pour dire quoi? Bah, je sais plus. Je voulais dire un truc et puis ça m'est sorti de la tête. Putain, chaque fois je crois que c'est une huile, mais non, ce sont des batteries. Moteur. Batterie, câble, batterie. Oh, attendez, il y a du jaune là. Oh, on l'a. Allez, on y va direct. On y va direct. Alors là, je suis bien content là. On n'aura pas attendu trop longtemps. On a l'huile de titane. On a l'huile de moteur. Alors, attendez, c'est par où? Ah merde, attendez, je suis bloqué. Ah non, c'est bon. C'est bon. Allez hop, on retourne à Falaise et Fissa. Allez, je veux de la bombinette. C'est à droite. Hein. Non, attendez. On vient d'où là? Attendez, je peux pas reprendre l'ascenseur? Je suis obligé d'aller au bout. Parce que je vois pas de sortie. Hein. J'ai l'impression que c'est là. Non. Là. Putain, c'est un vrai labyrinthe. Hein.
Voilà. Alors, est-ce que je peux retourner ? Oui, je peux. Rez-de-chaussée. Franchement, j'aimerais bien, durant ce live, obtenir la dernière arme, voilà. Et puis on relancera un live plus tard, quand on sera à la fin, voilà. Pour voir un petit peu comment la fin se déroule et comment le jeu se termine quand on a l'ensemble des armes, voilà. Alors, on va sauvegarder, parce que j'ai pas envie de tout recommencer. C'est long. C'est assez long quand même de réunir tous les bordels. Falaise. Ah oui, ça vaut debout. Oh. Falaise est à l'autre bout. Et je peux pas prendre le bateau. Ah si, peut-être. Si, je crois savoir où. Il y a un bateau qui est en bas là, en contrebas. Oui, on le voit. Ah, attendez, je peux peut-être pas encore prendre le bateau s'il faut. On va voir. On s'en fout. Le cadeau promis. Putain, je l'avais jamais fait ça. C'est marrant. Qu'est-ce qui vient à l'esprit quand on pense à ce que veut une femme? Non, j'en sais rien. Des fleurs? Ah. Du sucré. Bon bah des pierres. Can you believe? You know what? Should be easy enough for me, but I'll probably. How could I say no? Oh, thank. You know, I bet they sell red jewels at the store. Ah, très bien. Alors le désir. J'ai pas bien compris la quête. Là. Alors il m'a reparlé du magasin à façade. Attends, on va lui reparler. On va voir ce qu'il dit. Je sais pas qu'ils vendent des pierres. Ah bon, on va aller acheter ça. On va aller acheter des pierres. I say, each time we encounter that bickering couple anew, we are meant to endure an even further torrent of meaningless and incessant chatter. Yeah, they love to talk. Un sac. Remind you of anyone? Attendez, c'est par où là? Ah, c'est par là. Je reconnais le désert. Alors, ah, attendez. Ah non. Si. Attendez, où le magasin? Ah, il est là. Alors, est-ce que c'est lui qui vend des pierres? Ah, attendez, ils vendent des cartes. Bon, je les prends.
Ça c'est le l'engrais, ouais. Je n'avais pas les cartes, donc maintenant je les ai. Très bien. Je pense que ça sert à grand chose, mais on sait jamais. Bon, on va déjà faire le l'arme. Je pense tout avoir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il me raconte? Ah bah, eh, en plus c'est lui qui vend la pierre. Bon, bah, très bien. What? Attendez. Oh non, j'ai accepté la quête, et du coup ça... Attendez, ça l'a pas remplacé quand même. Mais non, oh, mais quel abruti. Oh. Oh mais c'est nul. Oh. Oh putain. Oh c'est pas possible. Il faut que j'aille donner la pierre, du coup, au gars du sac rouge. Mais c'est incroyable. Attendez, je sauvegarde. Et à partir de là, je vais pouvoir revenir à Façade, voir le gars du magasin de curiosité, et il va me reparler de la carte. Putain, je peux pas... Je peux pas faire les deux en même temps, quoi. Oh, ça n'a aucun sens. Le bateau, il est par là, a priori. J'espère que c'est pas trop long. Hein. Genre, on retrouve le gars, on lui donne la pierre et basta, quoi. Y a pas d'autre truc. Il est pas là? Ah si. Alors. Oui. Attendez, qu'est-ce qu'il dit? Allez, venez avec moi à littoral. Bon, bah, on va à littoral. Et décidément, Nayer répliquant. Ah, bah très bien. Alors, on se retrouve chez moi. Merde, il habite où? À la poste? Parce que c'est le postier à la base. Hein. Rejoignons vite la demeure du couple. C'est là? Ah, mais je sais pas où c'est, moi! Allez, à la... Ah bah non, ça c'est la quête principale. Ah, zut! Où c'est qu'il habite? Alors, quand on... Ah, attendez! Elle est là. Normalement, c'est elle. Ah! Il se passe quelque chose! Ah super. Donc la pierre rouge, les fleurs rouges, les pommes rouges, le sac rouge. Un bon petit plat fait maison. Loul. Bon, on va lui faire des haricots rouges. Voilà. Oui, non, on s'en fout. Allez, on passe. Cette nuit-là, patatras. I'm at a dining table filled with apple-based cuisine, red roses, a single crimson stone.
illuminated by candlelight. The married couple fills the room with joyous laughter. The scene fills me with an unfamiliar sense of calm. C'est le moment émotion du jeu. Around the table. It feels so very normal. I never thought I'd feel this way again. So I stuff my face with the great feast before me, hoping it helps to hide. Peut pas passer ça. Non, mais c'est mignon, hein, mais on n'a pas le temps pour ces conneries, quoi. Alors. It was all delicious, man. And though it boggled. Sorry again for all. Putain, et tout ça pour 3000 pesetas, quoi. Oh, and we just. Would we ever. Oh, I'm sorry. Oh, wait. We've been down. Non, on s'en fout. Allez. La quête. Le... Ah, bah très bien. Hein. Allez, hein, bon débarras. Du coup, on va reprendre le bateau. On retourne à Falaise. Quelle aventure. Attendez, il est où le bateau? Bah. Attendez, il n'y a pas de bateau? D'accord, il n'y a pas de bateau. C'est génial. Ah merde, j'ai pas de carte. Ah si, il est là. C'est celui-là, hein. Non, il n'y a personne. Pêcher. Mais non, je veux pas pêcher. Bon, mais bah faut y aller à patte. Putain, la perte de temps, mon dieu. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Tout ça pour 3000 or, alors que j'en ai 50 000. Puis littoral, façade, je crois que ce sont les deux villages les plus éloignés. Hein. Quel est le raccourci? Ouais, en gros, faudrait que je prenne le bateau au village, éventuellement. On va faire ça. Mon inventaire est plein de merde. J'ai tellement de trucs. C'est vrai qu'on n'utilise vraiment pas les matériaux ou les objets. Hein. Entre la culture de légumes et de fruits, le. Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est nouveau ça. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Hey, Assis. Harder than I expected. Et more importantly, how is the child who drift right on schedule so far? I mean, there. Ah, il parle de la. Started, if that's a problem, we need. Parle de la gamine. If the Shadow Lord, I know. Du Kraken. I know. It's a fool. Oh, excellent. She doesn't have a receptacle. Ah, c'est marrant ça. C'est vraiment marrant de voir des petites scénettes qui s'intercalent comme ça au fur et à mesure de la progression et des enfin au fur et à mesure des New Game Plus, voilà. Ça tient en haleine. Il me faudrait des œufs géants, hein. Ça c'est assez important pour le craft, pour la forge. Du coup, le bateau, il est là-haut. Alors, je vois le logo, le petit triangle blanc, ça veut dire que je peux le prendre. Le batelier est présent. Voilà, il est là. Je veux aller à désert.
désert. Say, can you eat scorpions? Indeed you can. Attends, c'est pas où, hein. Long ago, people operated food stands where they impaled the creatures on skewers and fried them whole. Where did you learn that? Who can say? I do not know. Some portions of the past are inexplicably clear in my memory. Free. Ça veut être... Ouais, ça veut être bon, je pense. S'il y a des cultures qui ont eu l'idée de préparer ce genre de mets et de les manger, et que ça perdure, c'est que ça doit pas être dégueulasse. Alors, on retourne voir le magasin de curiosités. Mais non! Oh! J'ai mis l'armurerie. Voilà. Ça serait bien qu'on puisse voler. Parce que quand on regarde, il y a déjà Emile qui peut flotter. Alors. Ah, c'est bon! Alors, l'huile de machine dans un. Hein, je peux ensuite restaurer à l'aide des pouches. Être livré comme neuf. Super. Dix morceaux de minerai et 10 rondins. Des rondins? Putain, j'en ai jamais eu, je crois. Des rondins de bois. Je pense que ça va se trouver au niveau des arbres, évidemment, mais... Des rondins de bois. Peut-être dans la forêt des légendes, là. Attendez, je sauvegarde, là. Hop. Voilà. Du coup, on va retourner à... au bateau. Et du bateau, on va retourner voir l'armurier du village. Bon, je pense que la quête va s'achever à ce moment-là. Comme c'est un armure rayée, il va peut-être nous récompenser en nous donnant la dernière arme du jeu. Il va dire « Ah, merci, j'ai enfin le nouveau bouquin !»« Bah tenez en échange, vous l'avez bien mérité !» Tout le temps comme ça que ça se passe. Alors, tac. Le village. C'est dommage qu'on puisse pas marcher sur les toits. Ça aurait été bien. Ça aurait été sympa. Alors. Sorry, he's out shopping for weapons right now. Il est pas là. Oh, all right. Well, if I may, madam, what is it about? This is another map, isn't it? Well, as soon as he sees it, he's... I understand. I don't suppose if you can track it down at... I think we can do that. That seems like Popola's area of... Yeah, let's... Ah... Bon bah la quête est pas terminée, hein. Look, I took on a job and I'm gonna see it through. Your sense of duty is positively breathtaking. Hey, I know what it feels like to worry about family. If we can keep others out of danger by handling stuff like this... For it. It is a tremendous burden. And yes, I cannot say I dislike that way of thinking.
Bon, on va aller voir Popo là, qui va nous traduire le bouquin. Alors, bon, elle est bien là. Hey, got a minute? Sure. Here. This looks like a map of. It also talks about a hidden room in the lost. Il y a une salle secrète dans le temple oublié. A hidden room in the lost. Oh, not at all. Ah. Donc du coup, il faut aller au temple oublié, une salle secrète que la lumière ne peut percer. Mmh. Pas très clair tout ça, c'est le cas de le dire. Bon, bah on retourne au batelier. Le batelier. Non, c'est pas par là. C'est par ici. Even when, anyway. Le temple. Une salle secrète. Franchement, le temple il est quand même assez grand, donc. Une salle secrète. Alors, est-ce qu'on va avoir un indice pour pouvoir nous guider vers la salle ou nous l'indiquer? Ce serait bien. C'est où? Bon, alors là. Bon, au moins j'ai la carte. Est-ce que ça va être au début du temple? Non, je peux pas. Ah, j'ai peut-être une idée. Vers la fin du temple, il y a une succession de pièces. Et ça mène à un cul-de-sac. Donc si... Donc s'il faut, c'est peut-être ça. Mais alors... Sans certitude, hein. De toute façon, là, il n'y a pas d'autre porte. Cassez-vous, parce que là par là il n'y a rien. Putain, on va pas tout.
tout faire quand même. Une salle secrète. Cela si je tombe. Parce que s'il faut, faut peut-être faire des, une phase un peu de plateforme pour arriver dans une. Enfin oui, une salle secrète quoi. Ah, bon, alors déjà, faut pas recommencer ça, hein. On va gagner du temps. Non, non, c'est peut-être la. C'est peut-être la salle que... à laquelle je pense. Hein. Là, là-haut, on peut pas y aller, c'est bloqué. Et non. Ah. Là. Oh, attendez. C'est quoi ça? La camelote. Oh. Not but a pile of junk. Now what? His wife isn't gonna like this. Oh, bah attendez, je crois qu'on a trouvé. Je pense qu'on a trouvé. Bah écoutez, on va retourner voir l'armurier. Hop. Il est où le... Ah c'est là. C'est long. Oh là 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 là. J'en peux plus de ce genre de quête. Heureusement, les jeux vidéo sont devenus un peu plus intéressants. Hein. Enfin, intéressants. Il y a plus de sens dans ce que l'on fait dans les quêtes secondaires. Encore là, je trouve que ça va. Hein. Mais c'est juste que... Si on schématise la progression, c'est un point A, on va à un point B, on va à un point C, on retourne au point B, on retourne au point A, on va au point D, du point D on retourne au point A. Vous voyez, c'est assez c'est lourd quoi. Aujourd'hui, on sent que les quêtes sont. En tout cas les quêtes secondaires. Village. On sent que les progressions sont moins laborieuses et il y a plus de sens, il y a plus de contexte. Il y a moins de backtracking quoi, voilà. Alors. We follow the map, but... In that case, can I ask you to sell my jade hair ornament and purchase some... You sure? That's because it is. Well, should we obey... Oh là 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 là, oh là là. Bah attendez, là je suis obligé de regarder sur internet. Hein. Je suis obligé de regarder. Je suis désolé, j'aime pas ça, hein, mais... j'ai vraiment pas envie de tout recommencer. Genre il faut qu'on se refasse l'histoire B et puis relancer un New Game Plus. Alors, comment ça marche ah bah j'ai encore la page, très bien. Retourner à façade pour avoir une carte comme neuve. Alors ça c'est fait. Le vendeur vous donne une seconde... Hein, de quoi? Non. Ah c'est bon. Prenez les trésors en poche, montrez-le à la femme, elle vous proposera d'aller vendre sa barrette au vendeur à façade. Ce dernier vous donnera de l'or que vous donnerez au vendeur. Le vendeur vous donnera une seconde carte. Ah, il faut prendre la barrette du coup.
Attendez. Elle vous proposera d'aller vendre sa barrette au vendeur à façade. Ce dernier vous donnera de l'or. Ouais, donc il faut prendre la barrette. That ornament's important to you, isn't it? Let me talk to your husband about... Non? Did you find it? Was there gold? It was rubbish. Oh, trash, huh? Damn. Perhaps you should stop being such a self-absorbed... That woman cares very much for your safety. Would you truly put her through such agony? Would you allow your... Look, your wife just wants you to be safe. Hell, she was willing to sell her hair. That's how much she worried. I didn't know. It's all right, dear. I've turned over a new leaf, friend. From now... Oh, but wait. Here. This is the first map I ever... This map's... Yet I feel confident the rubbish it will lead us to is the same. Probably, but treasure hunting is all... Such thing... Think of it as a game, if that helps. Now let's go to... Curse these tired old... Welcome. Attends. J'ai pris la barrette, mais en fait j'aurais pas dû faire garder, j'aurais dû faire vendre. Pour aller la vendre. Ah, mais c'est con. Attendez, j'ai l'objet avec moi ou... Barrette. Ah non, je l'ai pas. Bon, on va aller voir Popo là. Parce que du coup, on n'a pas été à Falaise. Est-ce que j'ai la bonne carte? Parce que normalement c'était le gars de Falaise, là, si j'ai bien compris, qui me donnait une deuxième carte. Dans le doute, on va pas sauvegarder. Oh, quelle histoire! Alors. Hey. Here. Well, the code on it mentions something about the place where the. Ah mais si, la plaine septentrionale. No, this is great. Pope. Bah si, du coup c'est ça. Parce qu'a priori, il faut aller chercher un truc à la plaine. Donc justement. Ça semble être ça. Le trésor se trouve sous le début du pont, dans la zone après le pont en bois. Sous le début du pont, dans la zone après le pont en bois. Putain, c'est pas clair. Après le pont en bois. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Sous le début du pont, dans la zone après le pont en bois. Bon. Théoriquement, on devrait voir une petite lueur jaune, enfin dorée. On sait que c'est sous le pont. Donc là, il y a un morceau de pont. Mais c'est pas là. Le pont en bois. Ah, mais c'est ça le pont. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça le pont en bois. Sous le pont en bois. Ah, c'est peut-être ça. L'armature en bois, là. Les échafaudages. Alors. Aïe. Je ne vois rien. Bon, c'est pas là.
Parce qu'après, il y a là-bas aussi, là, il y a le pont. C'est peut-être ça. Hein. Ouais, c'est bien ça, la plaine septante. Oui, c'est bien ça. Oh, 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 c'est là. C'est là. On a trouvé, les gars. Oh, ça y est. Ça y est, on a toutes les armes du jeu. Je vérifie. Hein. Ah mais non, 96%. Attendez, qu'est-ce qu'on a obtenu? Oh, oh. Oh mon dieu, il me manque une épée à deux mains. Et c'est pas celle-là que j'ai obtenue. Attendez, 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 attendez. À moins que ça se mette pas à jour. Alors. Non. Non. Mais attendez, qu'est-ce que j'ai eu comme arme? Cri du labyrinthe, c'est ça? Ah oui, c'est ça, j'ai eu cri du labyrinthe. Bon, d'accord. Ah putain, il m'en manque une encore. Oh, je pensais vraiment que c'était la dernière. Bon, on va s'arrêter là de toutes les manières, mais... Bah attendez, je regarde juste celle qui me manque. C'est incroyable. J'étais persuadé de toutes les avoir eues. Attendez. Paniquez pas. Alors, c'est à deux mains. Hein. Oui, c'est à deux mains. Alors, qu'est-ce qui me manque? Ah, champ du labyrinthe, ça doit être celle-là. Oui, c'est bien ça. J'ai pas les trucs du labyrinthe. C'est fou, ça. Alors, le champ... Putain, elle est classe. Elle est très, très classe. Alors, quête le sommeil des rois. D'accord. Elle est donnée par le roi de façade. À cause des voleurs de la quête, l'ombre scellée, le temple stérile est envahi d'ombre. Vous allez retourner encore une fois au temple pour toutes les vaincre. Heureusement, on n'aurait même plus besoin de faire les combats. Et vous pouvez directement, hein, où se trouvent les ombres. Ah, ok. Bon, c'est assez simple. Hein. C'est assez simple. Ok. Putain, il faudra retourner la façade. Oh mon dieu, j'en peux plus. Bon, eh ben écoutez. Comme on est juste à côté du truc de la forêt des légendes, là, on va aller sauvegarder là-bas. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on reprendra plus tard. Alors, pour une prochaine partie, hein. Et on enchaînera la dernière arme, je pense, avec la fin du jeu. Voilà. Ouais, on fera ça. On va faire ça. Bon, on s'arrête là. Hop là, tac. Bon, je suis quand même content d'avoir récupéré le... L'arme qu'on a eue. Elle ressemble à quoi? Non, c'est pas l'arme. Ouais. Très bien. Bon, et bah écoutez, j'espère que cette partie vous aura plu. On n'aura pas fait grand chose, mais
c'est quand même essentiel pour pouvoir avoir la bonne fin, en quelque sorte. La véritable fin de Nayor Répliquant. Je vous dis à plus pour un prochain épisode. C'était One Hour Game. Allez, ciao ciao à tous. Quelle rapidité! Ah, là, on est beau. Là. Allez, ciao ciao.